Eh bien salut tout le monde, c'est le Fugitif 91, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on va se retrouver pour le tout prochain, donc pour la suite de notre petit let's play sur Fallout Online. Donc on va essayer déjà d'esquiver ce gros malaise parce que là il est largement pas à mon niveau. Et on va pouvoir continuer la quête principale, donc comme vous voyez il y a une tornade monstrueuse devant moi. Donc on va essayer de débloquer tout ça. Wow. C'est vrai qu'elle est assez monstrueuse cette tornade même là. C'est pas une tornade de tout à l'heure, c'est ça. What, il est sérieux? Qu'est-ce qui se passe-t-il? On est coincé. Bon, c'est PNG la quête qui nous a dit qu'on pouvait passer avec le talisman du vent. Le talisman du vent. Oh, on l'obtient en vainquant un fou dans la grotte pleine des cristaux. Mais on dirait que ça ne suffit pas pour passer. Je vois. On devrait arracher ce talisman des glyphes. Talisman du vent. Alors. Talisman, c'est ici. Ah oui, c'est quand même de l'autre côté de la map. Quoi. Par chance, j'ai enregistré toutes les maps. Donc je suis pas à plaindre. Donc on va aller voir ça tout de suite. Peut-être qu'il y a une autre talisman. Certainement un deuxième talisman. Ok. C'est là le faucheur qu'on obtient du talisman du vent. Parfait. Quel feu de corse. Ok, donc c'est parti. Par où est-ce qu'il est? Est-ce que ce serait par en face? Je suis en train de regarder sur la map s'il n'y a pas un truc qui brille ou qui diffère des autres. Attendez, on va déjà. Hop! De toute façon, ça me sert pas à grand chose, je vais activer une fois plus vite. Ça ira 10 fois mieux! Bon, c'est pas lui, c'est forcément ce que je pensais. En fait, vu qu'on va passer devant une ville, un petit village. C'est peut-être là qu'ils vont nous dire qu'il y a un monstre. Mine de rien, c'est marrant parce qu'à chaque fois que Kirito il arrive, le mec il a de l'avance sur tout le monde. Sauf que quand il arrive, il y a bizarrement toujours quelqu'un devant qui lui dit comment faire. C'est vraiment qu'il est nul là, Kirito là. Où est-ce qu'il est ce petit con? Je vais aller regarder là-bas. Sinon il va falloir que je me fasse le mode rouge. Attends, il faut que je tue qui? Sur le faucheur. Un objet de faucheuse. Faucheuse de la grotte, c'est ça? Donc on va aller chercher là-bas, hein, c'est pas un souci. C'est vrai que ça me paraît bizarre, là. Pourquoi ce serait le mob rouge d'ailleurs? Ouais. Que je regarde bien parce que je voulais pas me faire niquer. Puis non, c'est là, je crois pas. Qu'est-ce qui se passe? La lame, donc ça c'est pas lui, c'est sûr. Où est-ce qu'il est passé ce con? Attends, on va voir s'il faut trouver ça sur eux. Ouais. Ouais, c'est pas ça du tout. Il y a comme une couille dans le pâté, là. Hein. Il y a une couille dans le pâté. Attendez, c'est pas normal. Je vais retourner au début. Parce que je vois qu'il y a un petit angle sur le côté gauche que je n'ai pas fait. Est-ce qu'il faut que je vous parle? Non. Ouais, ouais. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Eh, c'est pas normal, hein. Le mec qui a pété un câble. Attends, mais il est où? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Attendez.
Il y a comme un problème là. Alors attends, soit c'est ici, soit c'est la zone d'avant. Une branche démente. Ok, alors attendez, j'ai peut-être compris ce qu'il faut que je fasse. Faut peut-être que je tue pas mal de chauffeuses, de faucheuses, pardon, de chauffeuses. De faucheuses pour pouvoir peut-être dropper une item. On va voir. Ouais, non. Ils me disent qu'il faut que je fasse ça. Ah bah voilà, c'est bon, j'ai réussi! Il a lâché un objet, c'est cool. Parfait. Ça indique talisman de vent terni. Je vais devoir le nettoyer pour qu'il fonctionne. Je pourrais sûrement le rincer à l'eau, mais quoi? C'est bizarre, c'est bizarre. Attendez, il y a un truc dans la ville là. Ok, c'est juste là. Ce ne serait pas. Lol, qu'est-ce qu'il fout là? Ah d'accord, c'est l'autre. Il est grand temps que tu apprennes à faire ta part du combat. Oh là là. Ta part du travail. Oh merde, sans faire exprès, j'ai passé. Non! J'ai appuyé une fois de trop. Genesis entre Claude DS, où est-ce qu'il est venu? J'apprends pas. Première nous a demandé de lui apprendre à se battre. Mais est-ce que c'est D'accord. Ah. D'accord, donc il a buté le monstre. Aïe aïe aïe. Tu ne sers vraiment à rien. Et l'autre conne, elle dit merci, quoi. On se tient enfin. Bon, qu'on attend ça, et puis liste noire. Je peux savoir ce que vous voulez. Autant que ce soit nous. Ah, ils vont se taper contre lui. Hein. Ouais, une n'auront aucune chance. Bah, tu m'étonnes. Mais celui-ci, excellent, sauf que tu n'es pas aussi incapable et inutile ici. Comment peux-tu supporter une existence aussi minable? Jamie! Qu'est-ce que c'est? Votre adversaire. Quoi, un genre de garde du temps, on s'en fout, on va se la faire aussi. Ils vont lui elle va lui défoncer la tête, je sais pas pourquoi. On ne pourra plus jamais jouer. Je parie que tu te crois balèze avant qui, il faut que ça soit vraiment lâche pour se planquer derrière la fenêtre. On n'a pas dit notre dernier mot. Oh là là, le mec s'est chié dessus.
Quel escroc ce gars quand même. Elle l'a protégé. Bah ouais, c'est clair que c'est bizarre. Hein. Je n'aime pas ça. Si elle a la capacité de la prendre comme première, Genesis va finir par la dire. Enfin, tu peux parler. J'ai apporté beaucoup de changements au monde aussi. Eh ouais, mon petit, c'est pas bien ce que tu fais là. Donc là, il faut que je retourne certainement. Ah bah non, faut que j'aille là. Ah, dans la source. Ah, en fait, ils disent... Ah, c'est peut-être ça, en fait. Il faut la nettoyer de l'eau. Sauf que cette, peut-être que cette source, elle est spéciale. Ah, ouais, peut-être, peut-être. Le fait d'être dans les airs complique la tâche. Non. C'est peut-être ça. Il faut que je la lave. Bon, ça sert à rien, j'ai encore mon bonus d'activé pour courir. Il tape comme des couilles molles, c'est marrant. Alors, en plus, faut pas que j'aille n'importe où. Ah, bah d'accord. Il faut que j'aille carrément tout là-bas. Quoi. Bon, ce monstre, on sert à rien. On est bientôt arrivé. Parce que là, du coup, il me reste plus que cette petite tornade. Et je serai quasiment arrivé à la... au raid. Il restera plus que les 5 dernières petites tours, donc voilà. Ah, d'accord. C'est sûrement ça. Bon, je vais nettoyer avec l'eau de l'Oasis. Ah, voilà, t'as dissemblement. Oui, son nom a changé, voyons ce que je peux franchir cette tornade. Ah, c'est pas ça, c'est ça en fait, le mec il s'est planté. Ok, d'accord. Attendez 2 secondes, je vais me TP directement là-bas. C'est ici. Ok. Et ouais, mon cousin. Bon. Le talisman du vent. Il va nous faire chier avec ce talisman. Oh. Je vais avoir une vieille cinématique en plus. Quoi. Ok. Voilà, c'est bon. Ah bah voilà. C'est ça. Allez, il faut avancer. Ok. Nouvelle zone. Putain, c'est stylé là-dedans. Hein. Ok. Bon, alors ce que je vais faire, c'est que je vais me faire tous les petits coffres, comme d'habitude. Et je vous reprendrai une fois qu'il y aura des petits trucs intéressants pour la campagne. Voilà, donc nous sommes arrivés au petit donjon. Je vais montrer ça tout de suite, je vais juste prendre le téléporteur, et on va faire ça tout de suite. Du moins, le nouveau raid, en tout cas, c'est comme ça que ça s'appelle. Ok, donc voilà, on est parti pour le raid. Alors, on dirait droit devant. Tu vas rejoindre notre raid.
C'est bien. Personne n'a vu, c'est que lui sans survie. Et toi, il a rien. D'accord. Attends, ce combat va être très très difficile. Oula! Vous devez vraiment faire attention aux attaques groupées des deux boss. Quoi? Il y a deux boss? Non, stylé. Alors, il effectue néanmoins une action avant d'attaquer. Interrompez l'un des deux boss pour empêcher les attaques. Leur point faible à tous les deux, c'est la tête. Bon, ça, c'est leur tête. C'est leur tête, mais vous pouvez atteindre les attaques normales. Vous parvenez à détruire un profitez-en pour rafraîchir une bibliothèque de bonne mort malgré. Ouais. C'est tout ce que l'on sait pour des questions. Allons-y. Parfait. Minute, c'est toi qui a trouvé le vrai boss de la dernière fois, pas vrai? Ah oh. Bien sûr. Ouais. Tu veux former un groupe de raid et attaquer ce boss? Bah oui, attends, qu'est-ce que tu crois? Je suis pas là pour rigoler, moi, mon petit bâtard. C'est ce que je voulais voir. Je compte sur toi, ma bite. Ouais, mettons-nous en route. Allez, c'est parti! Putain, elle tape dépose ma perso, c'est n'importe quoi. Cochonne! Ouh, c'est stylé! Ils sont stylés! Ok, alors là. Tac, 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 tac. Mon gars, je vous défonce la prostate. Attends, attends, t'es sérieux là? Je suis en train de les défoncer comme ça là? What? Attends, mais c'est n'importe quoi là, j'en ai déjà vu un. Hein. Ok, bon bah, d'accord. Excusez-moi d'être un petit peu cheaté, hein, je vous avoue que là, j'ai vraiment pas fait exprès. Bon. En même temps, je suis en lame double. Attendez, vous savez quoi? Je vais compliquer un petit peu la tâche. Je vais mettre en compétence de soin parce que. Hop. Parce que là, le boss, il est un petit peu trop facile, je trouve. Hop, et mon bouclier, voilà, parce que là, c'est... What the fuck, quoi? Oh mon dieu, les Transformers! Truc de ouf, quoi. Bon bah, c'est bon, en fait, j'ai rien dit. Waouh, truc de fou, là. 1 minute 30, le boss. Oh, j'ai eu deux trophées! Chasseur de coups de grâce. Chasseur de coups de grâce. Ouais, on voit ça. T'as, j'ai hâte de faire ce boss en mode hardcore, là. J'ai dû décider d'éviter ce combat de boss. Ou sûrement d'autres jeux, pourquoi c'est une quête de pour savoir ce que nous allons faire ensuite. Pas mal, pas mal. Bon, c'est vrai que le boss là il s'est fait un peu défoncer. Là, putain. Alors, je crois qu'on sait exactement ce qu'il va faire. On va pas essayer de reprendre. Il faut pas qu'il termine cette quête. On doit la protéger coûte que coûte. Alors, attends, c'est quoi ça? Voilà. Il faut profiter de lui. D'accord, donc là on va avoir un petit peu de texte. Ton visage va finir par rester comme ça n'importe quoi. Je me sens pas bien. Je commence à croire que tu ne sais plus sourire. Et puis je m'approche à quoi? Ok. Ok. Ouais, pas tout de suite. En discuter avec les autres, je pense que c'est chouette. D'accord.
D'accord. ダンジョンの探検やモンスターの討伐競争など。ああ、楽しそうだな。その話乗ったよ。はい、みんなでピクニックです。各自の担当もさっき話した通りで。各自の担当って ピクニックをするにあたって準備の担当を決めようって。みんなにそれぞれ役割を考えてあるんだ。僕とアスナとシノンは料理担当。そういえば勇気とシノンはアスナと料理の練習をしていたもんな。うん。あれからも血の滲むような秘密の特訓を重ねて いろいろなものを開発することにしました。ただ、おせっデリシューズ。なんか、その言い方だと。私はリズたちと一緒に食材探し。伊達に野営はしてないからね。驚くような食材を取ってくるよ。だからといって、おぞましい食材を持ってきたりしないよね。ちょっと、別に変なものは取ってこないってば。 Un peu du serpent. Ah, dégueulasse. On va aller faire les courses pour le pique-nique. Il l'est, master. On est proche de faire des bêtises. Vous savez pas vraiment ce que je voulais dire. Je me tiendrai à un budget responsable de 300 cols, plus ou moins, c'est de la merde, ça, 300 cols. J'assurerai mon rôle de grande sœur, n'importe quoi. Je suis en train de me rendre grande sœur. 最高のロケーションを探してきたね。モンスターのいない安全なエリアで、お日様の光が。日が出ないように、ちょっと暗そう。で、パトロンショーは、いい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 、い
C'est ça que j'ai eu, ça? Sérieux? Non. Dis pas que j'ai eu cette merde. L'anneau du crépuscule. Ouais. Bordeaux divin. Attends, ils sortent d'où tous ces trucs bleus là? Ouais. C'est fou ça. D'accord. Bon, je sais pas comment j'ai eu tout ce stuff, mais bon. Vous avez reçu un nouveau message. Merde. Bon, c'est pas grave. Bon, est-ce que je vais avoir une autre cinématique? Glourse, glourse. Bah bon live sur le stream, enfin bon live sur le stream. Hein. Attends, je vais aller rendre quelques quêtes là parce que je commence à vraiment trop en avoir. Voilà. Là au moins, je suis tranquille. Alors, on rentre que les chasses. Oh là, il me reste tellement encore des quêtes à faire, c'est n'importe quoi. Du coup, c'est pas là, c'est là. Alors, il y a fini de la quête de l'épée de l'empereur. Seul, hein, avec Sylvie, encore ici, encore dans son restaurant. Interroger Lise dans son monde de bénédiction. On fait voir ça. Qu'est-ce que t'as à me dire? どうしたフィリア。え、ペラソードのことでね。いや、残念だなって。クエストの内容やないだから、それなりのものが手に入ってもおかしくなかった気がしない。納得がいかないっていうのも合わさ。残念。納得がいかないか。実は俺も On a peut-être raté quelque chose. Bah déjà, quand on nous a donné ce blason, il a parlé de détruire une épée. Il devait parler de l'épée de l'empereur, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il aurait évoqué cette épée après avoir récupéré le blason? Ouais, c'est vrai que c'est bizarre. On aurait dit que c'est もう一度あの宮殿を調べてみよう。あの宮殿の中にはまだエンペラーソードが眠ったままかもしれない。そういえば、あの宮殿の中にはまだアイテムラの中に残ったまま。あ、だ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 
Alors, c'est vraiment qu'une légende, elle entre dans l'histoire. Un faux mur. Oh. Comment ça, accrochez-vous? Est-ce que tout le monde va bien? Bobo, ça va aller, faux. J'aurais dû me douter qu'il y avait des pieds. Oh, regardez ça. Ah bah voilà! Stylé cette image! Stylé de ouf! C'est vraiment épais de. Ah oui, Fili, on a réussi. Oh là 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 là, j'aimerais avoir cette épée. Lui. Ah. Ah oui, si, c'est génial. On a plus comme si elle la jette. Lol. Trop fort, mais pourquoi? それは多分前は俺一人で部屋の中を調べたからだよ。おそらく紋章を持ったプレイヤーが部屋に入ることで仕掛けが作動するようになっていたんだろうな。 Ah, bah oui. でもそれってつまり、エンペラーソードを手に入れてからボスを倒しに行くのが本来の流れだったんじゃない？あ、黙った。確かにボスと戦っている時ちょっとタフだなと思ったんだよ。剣があればサクッと倒せたのかもね。え、どうなんね。あえて剣を使わないで倒すとか、あんたらしくていいじゃない。それは最高の武器がある。 それは仲間だみたいな感じでさ。じゃあ、メアームで、トゥトゥル。フォローされているのか、茶化されているのかわからないんだけど。このケンは預けるね。じゃあ、タチナ、シポート？あ、俺が？だって、あきらめ、ユーデンがもう一度探そうって。いや、まあそうだけど。あ。それに私は。 こうして見つけることができただけで大満足だし。何よりもものすごく欲しそうな顔をして。Tu la veux vraiment? attends, je vais avoir l'épée de l'empereur là, j'espère que je vais l'avoir dans mon inventaire. プレゼントだと思って。他の Merci à tous. その剣を使って今度は私の武器が手に入る。 On a toujours une quête à rapporter. L'épée de l'empereur, c'est pour moi. Glaçon de course, qu'est-ce que c'est que ça? C'est génial ça. On fait l'équipe de tonnerre. Tu peux nous arrêter, tu m'étonnes. Attends, je vais aller voir dans l'inventaire là parce que. Oh! 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 Attends, sur la tête de Wham là? Tu sais que c'était plein de merde? Faire le look? Attends, mais ça pue la défaite ce truc! Attends, t'es sérieux? Équipement. Oh là là, c'est de la merde, je suis tellement blasé!
Oh là là. Attends, par contre, est-ce que je peux voir à quoi ça ressemble? Je suis dégoûté là, parce que j'ai l'épée de l'empereur, et ça a l'air d'être de la grosse dos. C'est quoi cette merde là? Vas-y, dégage. Je vais la revendre, quoi. Aïe, aïe, aïe. Bon bah, c'est pas grave. Bon bah voilà, en tout cas, ça c'est fait. Alors, liste des événements. Parler au café, à hauteur, parler aux autres. Je vais rechercher un coin pour aller pique-nique avec première. On va aller voir pour les autres. Bon, pour... nickel. Bon, c'est pas grave. Bon, ce que je vais faire, c'est que cet épisode va être très court. Je vais parler aux autres. Là, pour aller leur parler de beignets, donc c'est pas très intéressant, vous voyez. Parler Silica aurait du restaurant, machin, sur la vente de ses beignets, ou de le café de hauteur pour parler aux autres. Peut-être que j'enregistrerai le café au café aux hauteur pour aller parler aux autres, je sais pas trop encore. En tout cas, voilà. Donc, on va s'arrêter ici pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Il aurait été un peu court, mais au moins, il aurait été assez stylé quand même pour avoir débloqué une épée sacrée. Même si c'est vrai qu'elle pue la défaite comparée à celle que j'ai maintenant. En tout cas, voilà, on s'arrête ici. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve pour la prochaine. A plus tout le monde.